Quatrième leçon de la quatrième leçon de thérapie pastorale pour les victimes de pratiques occultes. Nous allons continuer l'étude des cas examiné, traité par le professeur Kutkok dans son ouvrage. Et cette étude commence à la page 32. Nous sommes maintenant à la page 36. Alors, c'est très important de savoir que nous examinons maintenant les cas de la perception extrasensorielle. Donc, avant de commencer ce cours, vous devez encore revisiter vos notes que vous avez prises la fois passée. Et savoir qu'est-ce que la perception extrasensorielle. Ça, c'est la première question à laquelle vous devez répondre au début de ce cours. Qu'est-ce que la perception extrasensorielle? Deuxième question, qu'est-ce que le spiritisme? Donnez la définition que nous avons ensemble, n'est-ce pas, présenter ce qui c'est au début de ces cadeaux. Qu'est-ce que la perception extrasensorielle? Qu'est-ce que le spiritisme? Alors, troisième question, pourquoi la perception sensorielle et le spiritisme sont des pratiques occultes qui entraînent des conséquences néfastes dans la vie de ceux et celles qu'ils pratiquent? Et ici, je vous réfère à 1 Samuel 28. Nous allons rester à ce chapitre-là, 1 Samuel 28, là où le roi Saul est allé consulter, pas une magicienne comme on le met dans votre au-dessus de votre Bible, Louis II, une autre Bible. Ce n'est pas une magicienne, cette femme était une médium. Donc, un médium, c'est quelqu'un qui est en contact avec les esprits de mort. Et vous le voyez dans ce chapitre-là. C'est un spiritiste médium. C'est le spiritisme médiuminique. Donc, il faut appeler le chat par le chat. Et comme ça, quand vous délivrez des gens, vous connaissez de quoi ils sont délivrés, eux aussi le savent. Maintenant, nous allons dans le troisième cas qui est examiné par, ou le quatrième cas, je pense, examiné par, oui, le quatrième cas examiné est traité par notre spécialiste Kutkok et repris dans son ouvrage. Et cela tourne autour des tables tournantes. Les tables tournantes. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, l'apparition des morts, la danse des vers, et maintenant les tables tournantes. Notez bien ça. Le thème de la table tournante est un lieu commun de la littérature sur l'occultisme. Surtout ici en Occident, on parle beaucoup de cette table tournante. Cette pratique a trouvé des détracteurs acerbes et des défenseurs farouches. Il y a d'un côté les gens qui sont contre cette pratique, il y a de l'autre côté les gens qui sont pour cette pratique. Vous trouvez donc deux camps diamétralement opposés sur ce sujet. Dans la documentation hostile à ce genre d'expérience, citons l'enquête de Dr. Gula Wellenberg, un Allemand, Gula Wellenberg, par une photographie prise en flash, il a pu établir comment les médiums Kathleen Gollinger, le médium, soulevait la table à l'aide d'un bâton serré entre ses genoux. Donc, il cachait un bâton plutôt, entre ses genoux, puis il soulevait la table, puis il disait que la table se soulevait elle-même. En revanche, les séances du professeur de physique Zollner, professeur de physique, ces séances avec le médecin spirit Slade ont démontré de façon positive la réalité des phénomènes d'apparition et de disparition d'objets à l'intérieur d'un local clos.
comment les gens faisaient apparaître et disparaître les objets, comme vous voyez parfois les gens qui font sortir des pigeons à partir d'une boîte, etc. Alors, par la télékinésie, les médiums soulèveraient sans point d'appui de corps étrangers. Et dans la lévitation, notamment lévitation par contre, le sujet en état de transe pourrait alléger son propre corps au point qu'il se détache du sol et s'élève dans l'espace. On appelle ça lévitation, ce que vous appelez en Afrique le voyage des sorciers. Ces expériences ont causé le plus grand étonnement, malgré le moyen de contrôle le plus rigoureux, ne purent être taxés de supercherie, ni faire l'objet d'une explication rationnelle. Donc il est difficile de taxer ces expériences de supercherie, ni de les expliquer rationnellement. Et pendant que nous parlons ici, sachons que le sang de Jésus nous a couverts. L'esprit de Jésus est plus puissant que tous ces esprits de mensonges et de manipulations. Et l'autorité du nom de Jésus nous donne le pouvoir de le neutraliser, de le chasser. Dans toutes les investigations du Dr Koch, il ne discute pas des phénomènes comme la télékinésie, mais il cherche seulement à montrer comment les désordres psychiques des gens qui les pratiquent sont causés par ces pratiques. Voilà le but. Le but n'est pas de discuter sur le fait que ces choses sont vraies ou fausses, mais l'objectif principal, c'est de démontrer que ceux qui pratiquent ces choses vraies ou fausses, ces choses-là, eh bien, ils ont des conséquences psychiques énormes. Ils vont souffrir de problèmes terribles. Cas numéro 4, alors. Au cours d'un entretien pastoral avec le docteur Koch, une dame cultivée, issue d'un foyer très chrétien, nous rapportait le fait suivant. Invitée à une soirée par le directeur de l'école municipale, elle s'y rendit sans moindre méfiance. C'est le directeur de l'école municipale. 7 personnes environ étaient réunies. Après le dîner, le maître de maison proposa un divertissement. Les invités furent priés de constituer une chaîne avec leurs doigts allongés et écartés en tenant leurs mains à 15 cm au-dessus de la table. Tandis que tous étaient dans l'expectative, le directeur déclara qu'il y avait un non-conducteur dans la chaîne. Un non-conducteur dans la chaîne. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui bloquait le mouvement de l'énergie maléfique. Après l'élimination de la personne en cause, les participants ressentirent un picotement dans leurs doigts, comme si leurs mains étaient parcourues par un faible courant électrique. Plus rien ne faisait obstacle à l'expérience. On annonça alors aux invités qu'un mort allait être interpellé et qu'il répondrait à leurs questions. L'approche du mort devait se faire remarquer par plusieurs coups frappés. Un chassé croisé de questions et de réponses s'établit. Finalement, un des assistants demanda à l'esprit de se nommer, ce qu'il fit aussitôt. Alors un des participants s'exclama, « Cet homme, je l'ai connu. Il s'est pendu il y a 20 ans. » Cet étrange divertissement durant toute la soirée. Notre interlocutrice, nous dit le pasteur Koch, rentra chez elle avec des impressions mitigées. En se couchant, elle prit sa Bible, comme de coutume, pour la lire et prier. Aussitôt, elle ressentit une forte aversion contre la parole de Dieu, tandis qu'un serrement inexplicable de la gorge l'empêchait de prononcer une prière. Voyez-vous, la médiation de la parole de Dieu est
étouffée. La prière est aussi étouffée parce que l'ennemi a peur de la parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et il a peur de la prière parce que quand nous invoquons le nom de l'Éternel, quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, quand nous prions par l'esprit, l'ennemi est neutralisé. Il ne peut pas bouger. Jeta un regard de côté, et l'aperçut au même instant deux personnages blancs à la tête du lit, qui la fixaient avec des yeux démoniaques. Elle poussa un cri auquel sa sœur accourut. Sa peur fut telle que cette dernière dut passer la nuit dans la même pièce, en gardant la lumière allumée. Une pareille attaque nocturne se répéta souvent. Ce n'est qu'au bout de 6 mois que cette femme put reprendre la lecture de sa Bible et prier comme auparavant. Des questions relatives à son passé se révélant et ne révélèrent aucun indice médical, ni dans sa vie, ni dans celle de sa famille, susceptible d'expliquer les troubles psychiques relatés. Donnons maintenant avec le professeur Koch la parole au médecin pour expliquer cette situation. Nous donnons d'abord la parole au médecin. Le médecin consulté attribua, ou le médecin qui est consulté va attribuer peut-être la contraction de la gorge à l'effet d'un cauchemar, si la femme avait des problèmes de contraction de gorge. On pourrait éventuellement songer à la sensation douloureuse et spasmodique produite par l'angine de poitrine, qui partant du milieu des sternum, s'étend jusqu'au côté gauche de la gorge et à l'articulation du maxillaire inférieur gauche. Le médecin pourrait aussi dire qu'il s'agit de l'essoufflement des cas d'asthme bronchique ou cardiaque. Peut-être faudrait-il également envisager la possibilité de l'oppression ressentie dans quelques formes d'hyperthyroïdie, comme la maladie des bases d'or ou des myxodèmes idiopathiques, va dire le médecin. Dans le cas des tachycardies aiguës, apparaissent aussi des douleurs dans la partie supérieure du thorax et dans la région de la gorge, accompagnées de fortes émotions psychiques. Les symptômes partiels dépressifs de la suffocation apparaissent très nettement dans l'angoisse précordial des malades souffrant de troubles circulatoires. Alors, le médecin m'a dit, peut-être ils ont des symptômes de troubles circulatoires qui veulent qu'elle se sent comme étouffée dans sa gorge. Au-delà du diagnostic de la médecine interne, les psychiatres disposent d'une foule d'explications possibles quant à l'apparition de deux fantômes blancs. La psychiatrie, n'est-ce pas, on parlerait plutôt d'une hallucination, ou éventuellement provoqué par une crise émotionnelle ou différents facteurs médicaux. Le psychologue va interpréter peut-être ce problème comme une gêne éprouvée vis-à-vis de la Bible, comme la manifestation d'un sentiment de culpabilité. Il se sent coupable parce que, bon, il a fait quelque chose qui est interdit dans la Bible, puisqu'il réprouve la participation aux activités occultes. En effet, la dame en question était connue pour sa position chrétienne bien établie. Quant à la vision de deux fantômes, elle serait une projection personnifiée de la mauvaise conscience, va dire le psychologue athée. Au compte tenu de la forte émotion psychique, il est facile de comprendre le cauchemar et la vision de la femme. Ce sont des cauchemars dus à une émotion psychique très forte. Le psychanalyste, de son côté, il va expliquer l'apparition comme un réflexe visuel d'une expérience psychique non assimilée ou un prolongement d'une expérience vécue, n'est-ce pas, qui se prolonge, un prolongement onirique d'une expérience psychique qu'on a vécue la veille. Il indiquera que cette vision était une saine réaction du subconscient réglant le conflit inévitable entre le conscient, le subconscient, l'inconscient, vous voyez, hein?
Alors, il va tout expliquer par rapport à l'inconscient, au conscient, au subconscient. Une explication plus simple serait de considérer la vision comme une illusion sensorielle, une conséquence des effets post-hypnotiques apparaissant comme une manifestation active du subconscient interpellé. Alors, avec ce vocabulaire, les psychanalystes ont expliqué les problèmes, mais c'est une explication qui n'explique rien du tout. En utilisant ici dans la suite les termes de subconscient, il faut préciser ceci. Dans la nouvelle école psychanalytique, celle de Freud, d'Adler et de Jung, le terme d'inconscient s'est imposé, alors que l'école plus ancienne de Moll, de Zohar et Janet parle plutôt de subconscient. Mais pour Freud, c'est le conscient et l'inconscient. Nous en tenons à ces derniers termes. Par exemple, le professeur Koch, lui, parle du subconscient là où nous parlons de l'inconscient. Ma thèse de doctorat en psychanalyse de problèmes de sorcellerie était plutôt basée sur l'épistémologie psychanalytique freudienne, qui parle de l'inconscient et du conscient. Ou de les phénomènes de télékinésie, de parapsychologie, que nous pouvons essayer d'expliquer ici, nous pouvons nous poser la question de qu'est-ce que le serviteur de Dieu lui va dire quand il constate empiriquement la détresse psychique d'un patient. Le serviteur de Dieu ne cherche pas d'abord à savoir si le mouvement de la table, les signaux frappés relèvent de la supercherie, de la psychokinésie ou encore de l'inconscient. Non. Du fait que la dame en question était avant la dite séance en parfaite santé physique et psychique et qu'elle a trouvé son équilibre 6 mois après l'événement et la conservait. 6 mois après l'événement, c'est-à-dire quand on la délivrait. Il est donc facile au serviteur de Dieu de conclure que les troubles constatés chez cette femme ont été provoqués par cette expérience occulte. Et c'est très important. De pareils cas, surtout lorsqu'on a pu le relever des centaines de fois, suffisent pour qu'on mette en garde contre toute participation à des séances spirites. Parce que cette femme, c'est après avoir participé à cette séance où il y a eu l'apparition d'un esprit de mort qu'elle était devenue troublée psychiquement. Donc, son trouble psychique est un trouble causé par cette expérience occulte. Autrement dit, elle était possédée, attaqué par un esprit impur. Un autre exemple va illustrer les conséquences de la télékinésie ainsi qu'un nouvel aspect de la pratique spirite. Une employée de maison d'un certain âge demande un entretien au pasteur Koch. Elle se plaint de divers malaises psychiques, dépression, dégoût de la vie, envie de suicide, pensées blasphématoires envers Dieu et Jésus. Et elle a des accès de colère terribles et même de rage folle. Quand elle entend prier, elle désire s'enfuir, ou bien elle se bouche les oreilles et ferme les yeux. Elle ne peut pas supporter la prière de notre. J'ai constaté chez une personne, si ce n'est pas elle qui prie, les autres ne savent pas prier. C'est aussi un esprit. On appelle ça l'esprit de contrôle. Il est dangereux. Vous voyez, la prière est un acte de partage ensemble. Il faut être en accord pour prier. Là où il y a désaccord, eh bien, la prière est annulée. Et le diable aime bien semer les désaccords dans la prière. Chaque fois que je vois quelqu'un qui aime contrôler la prière, je m'arrête.
et je commence à prendre autorité sur l'esprit. Je sais que la personne peut être une chrétienne ou un chrétien, et une chrétienne qui est inconsciente de esprits qui l'attaquent et qui font d'elle une orgueilleuse spirituelle, une prétentieuse spirituelle. Et cette femme, quand elle entendait prier, elle désirait s'enfuir. Ou bien elle se bouchait les oreilles et fermait les yeux. Dans une église, c'était la musique. Quand on élevait un peu la musique, la personne était fâchée, c'est trop fort. Alors que c'était même pas fort par rapport à ce que le jeune aime. Et ça semait la zizanie et la division de l'église. Le but du diable, c'était de diviser l'église. Et il a utilisé deux personnes, celle qui jouait la musique et celle qui était contre le rythme. Et le pauvre pasteur était pris entre le marteau et l'enclume, pris en sandwich. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs se fatiguent et abandonnent le ministère. Il y a tellement de manipulations du diable dans l'église. Pour cette femme, elle éprouvait de l'aversion pour les Écritures. Donc, cette femme n'aimait pas qu'on puisse lire les Écritures. Quand on met à lire les Écritures, elle ne veut pas. Elle ressent une forte envie de casser et de déchirer tout ce qui tombe sous la main. À part cela, elle se porte bien. Dès qu'elle n'est plus exposée à l'Évangile, elle est bien. Elle vit à l'étranger au service d'une famille aisée. Une possibilité de mariage s'offre à elle. Elle craint toutefois de rendre son prétendant malheureux par sa mélancolie. Alors le pasteur Koch lui demande si c'est la décision relative au mariage qui a déclenché le conflit psychique. Elle répond négativement. Quelques questions concernant des maladies passées n'apportent aucun éclaircissement de plus. Elle n'a pas encore atteint l'âge critique. Nous pensons à l'anamnèse des relations occultes. D'abord, elle se montre tout à fait ignorante. Elle se montre tout à fait ignorante en matière d'occultisme. Il ne reste plus qu'à lui en énumérer toute la liste. Alors, le pasteur va lui énumérer la liste de pratiques occultes. Et elle réagit à l'expression table tournante, table tournante. Elle reconnaît qu'elle s'y est adonnée durant des années sans jamais y avoir de mal. Sa patronne l'avait souvent emmenée à des réunions où l'on faisait tourner des tables sous le couvert de préoccupations pieuses. Un jour, devant prendre une décision importante, il lui vint à l'idée d'essayer de le faire elle-même. Et on voit la scène. La demoiselle place une petite table de salon devant elle et prononce la formule pieuse entendue au cours des séances. Il y avait une formule. Et la deuxième phrase lui échappe et la table ne bouge pas. Alors elle prononce une imprécation. Si ce n'est pas au nom de Dieu, qu'elle soit au nom du diable, c'est ce qu'elle dit. Eh bien, au même instant, la table se met à danser. Dès lors, et pendant de longues années, cette personne continua à faire tourner une table pour son compte personnel. Continua à faire tourner une table pour son compte personnel. Alors, voyez-vous comment clairement, dans son imprécation, le diable a pris le dessus. Et dès lors, et pendant de longues années, elle continue à faire tourner les tables. Mais quand elle s'est retrouvée devant le pasteur, elle a semblé ignorer cette pratique. Si le pasteur n'a pas nommé tournage de table, elle n'aurait pas. Heureusement, le pasteur avait la connaissance. Non seulement le don de la connaissance, mais il avait la connaissance. Dieu lui avait donné la connaissance de ce qu'il connaissait ces différentes choses. Il ne pratiquait pas ça, mais le pasteur connaissait. Les termes précis. Alors, elle a fait tourner ça pendant longtemps, puis elle n'eut jamais recours à cette pratique pour donner des avis à autrui. Elle recourait à cette pratique seulement pour elle-même.
Mais pour chaque problème délicat ou toute décision à prendre, elle consultait sa table qui se penchait en avant pour une réponse affirmative ou en arrière pour la négative. Quand la table tournait en avant, on dit la réponse est affirmative. Quand elle tournait en arrière, la réponse était négative à sa question, au problème qu'il posait. Et pendant ce temps, la pièce demeurait toujours éclairée. C'est le phénomène de télékinésie, des mouvements téléguidés par les esprits, télékinésie, mouvements téléguidés par les esprits. Ce phénomène télékinésie exercé à titre entièrement privé a beaucoup intéressé la parapsychologie. L'hypothèse de la supercherie est donc exclue parce que c'est étudié en parapsychologie. Ça, c'est important. Et cette femme a eu des problèmes à cause de cette pratique. Elle est devenue dépressive. C'est présenté chez le pasteur. Elle est devenue dépressive. Elle avait le goût de la vie, c'est-à-dire voulait mettre fin à sa vie. Elle avait envie de se suicider. Elle avait des pensées blasphématoires envers Dieu et envers Jésus-Christ. Parce qu'elle faisait les choses secrètes contre Dieu au nom du diable. Voyez-vous comment cette expérience l'a amené à des maladies graves qui l'auraient conduit à la mort si elle avait consulté le pasteur Koch qui a prié pour sa délivrance. Nous avons deux ou trois cas encore que nous allons examiner ensemble dans cette leçon. C'est des exemples qu'il a trouvés dans les livres qui viennent confirmer son expérience sur le terrain. E1, page 41. C'est un exemple tiré de la littérature spécialisée, car dans la pratique, on observe non seulement le soulèvement de la table ou le coup frappé, mais aussi les déplacements, les sautillements et l'envol de la dite table. Martensen, Larsen, cite le physicien Barrett qui opposait son scepticisme au phénomène de la télékinésie. Le témoignage de ce dernier a d'autant plus de poids qu'il a surmonté ses doutes à la suite de plusieurs expériences dont l'une est résumée en ces termes. J'ai eu l'occasion de participer à une séance de télékinésie. La pièce était bien éclairée. Après qu'une série de coups eut épellé un message, une petite table sans contact avec qui que ce soit vint à moi en sautillant sur le plancher et s'approcha jusqu'à me bloquer dans mon fauteuil. Il n'y avait ni fils, ni fil, ni conduit, ni autre moyen permettant de mouvoir un objet. La table se mouvait d'elle-même. Deuxième exemple, des explorateurs et des missionnaires revenus de Tibet relatent à ce sujet de faits absolument inouïs. Ils attestent à l'unanimité que beaucoup de prêtres du Tashi Lama, vous connaissez encore le Dalai Lama, beaucoup de prêtres du Tashi Lama disposent d'énormes facultés occultes et réussissent à faire s'élever des petites tables jusqu'à 30 mètres du sol, sans le secours d'une main. Les moines au bonnet rouge, surtout, sont des experts en télékinésie, en lévitation, en matérialisation et en magie noire. Autrement dit, ce sont des sorciers, vous voyez. Hein? Ils font bouger les choses, ils peuvent se déplacer, dans l'espace, ils peuvent matérialiser des esprits démoniaques et ils peuvent lancer des sorts. Il est impossible de vérifier ces rapports apparemment fantastiques venant de Tibet, mais c'est le témoignage de missionnaires qui ont vécu là-bas. En faveur de leur vraisemblance et de leur véracité, l'on peut donc avancer avec Dr. Koch que ces récits cadrent bien
avec la conception que l'on a généralement du Tibet. Tous les explorateurs et les missionnaires l'ont tenu pour la forteresse mondiale de l'occultisme au Tibet. Notez ça bien. Le Tibet est parmi les forteresses mondiales de l'occultisme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens y vont pour s'initier au bouddhisme. Mais derrière cette initiation bouddhique, il y a les pratiques occultes. Entre autres, la télékinésie. Et regardez la définition vous-même de la télékinésie dans le dictionnaire. La lévitation, la matérialisation et la magie noire. Voilà donc, vous avez encore beaucoup d'autres exemples tirés des ethnographes qui étaient en Afrique, chez les Indiens, et faisons très attention à ces expériences-là. Voilà donc pour ce qui est des tables tournantes. Nous continuons dans cette leçon, nous avons encore 2 minutes sur notre enregistrement. Nous continuons sur cette leçon en prolongeant notre étude sur une expérience occulte que l'on reconnaît partout, les parler en état de transe. Donc les gens, par exemple, ils parlent, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Et parfois, il y a des chrétiens qui disent, oh, mais tu as prophétisé, mais je ne savais pas que je prophétisais. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît ce qu'il fait. Vous voyez, c'est très important de le savoir. L'Esprit de Dieu ne nous possède pas. Quand nous sommes en extase, comme quand, allez dans le livre de l'Apocalypse pour voir le vrai livre d'extase, comme Pierre, Paul était en extase, Pierre était en extase dans Acte 10. Vous voyez? Et quand Jean était en extase dans l'île de Patmos, il savait qu'il était appelé par l'Esprit de Dieu, qu'il était devant le trône de Dieu, il savait qu'il était devant Jésus-Christ, il savait qu'un ange lui parlait, il savait. Et il ne va pas dire « je ne savais pas ». Le parler en état de transe. On entend par transe un état de... Et moi je fais une différence entre la transe et l'extase spirituelle biblique. Comme Jean était enlevé en esprit. Philippe, quand il était en Samarie, il était élevé en esprit vers la route de Gaza. Alors c'est très important, vous pouvez lire cela dans Acte 8. On entend par transe un état de somnambulisme dans lequel sont plongés les médiums par hypnose ou auto-hypnose. Notez ça bien. Une transe, c'est un état de somnambulisme. C'est comme si on était en train de dormir. Un état dans lequel sont plongés les médiums, qui sont en contact avec les esprits démoniaques, par l'hypnose, c'est-à-dire on t'hypnotise quand on te neutralise la conscience. Et cette hypnose peut être une auto-hypnose, donc c'est soi-même qui s'hypnotise, ou une hypnose provoquée par un agent extérieur. Les spirites croient recevoir par leur entremise des messages de personnes décédées. Pour illustrer les résultats de cette pratique, Kurt Koch nous cite 3 cas rencontrés dans son ministère pastoral. Cas numéro 6, page 42. Un vol a lieu chez un marchand de bicyclettes et beaucoup d'accessoires disparaissent. Le commerçant lésé s'adresse à la police et en même temps, il charge le dirigeant d'un cercle spirit de tenir une séance dans le magasin en cause afin qu'un médium parlant en état de transe lui donne le signalement du voleur. La réunion a lieu en présence de 6 personnes. Le médium décrit le malfaiteur et de forts soupçons se portent sur un ouvrier endetté. Toutefois, la séance ne permet pas la pleine découverte du voleur, car 2 parents de l'individu soupçonné y assistent. Attention faite du caractère hautement critiquable
et douter d'une telle méthode, cette cérémonie eut des conséquences étranges relevant du domaine de la cure d'âme. Deux participants chrétiens à cette séance médiuminique, une femme et un homme, demandèrent un entretien pastoral au docteur Kurt Koch. Ce pasteur se plaignait, comme il arrive souvent dans ces cas, d'un état dépressif, de dégoût de la vie, c'est-à-dire esprit de suicide, et de perception d'apparition. Ils étaient devenus dépressifs, ils avaient le dégoût de la vie, et ils percevaient des apparitions, des êtres étranges. Toutes les questions soulevées par cet exemple, qui ressemblent à certains cas de cas précités, ne font pas ici l'objet d'une étude approfondie. Mais ce que nous devons retenir, c'est que cette perception d'apparition, ou cette perception d'apparition, ce dégoût de la vie et cet état dépressif sont des signes d'une possession démoniaque causée par la pratique occulte. Cas numéro 7. Un pasteur me rapportait une scène d'agonie. Le chef d'une communauté chrétienne était à l'article de la mort. Les derniers moments de cet homme considéré furent terribles. Dans la maison et au jardin, des bruits et des craquements sinistres se firent entendre. On y dit un déchaînement de l'enfer. Pendant qu'il était à l'agonie, dans la maison où était la personne et au jardin, des bruits et des craquements sinistres se firent entendre. On y dit qu'un déchaînement de l'enfer. Le pasteur de l'endroit appelé au chevet du mourant pour le réconforter fit ensuite la réflexion suivante. Cela montre que parfois même les croyants peuvent être durement assaillis sur leur lit de mort. Il n'est pas question ici d'infirmer la déclaration et le point de vue de ce serviteur de Dieu. Il faut cependant ajouter, à titre de complément d'information, que je savais depuis 20 ans que des séances spirites avaient lieu dans la maison de ces défunts, avec le concours des médiums parlant en transe. Le brave pasteur qu'on avait fait venir ignorait ce fait. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce cas est à rattacher à l'exemple C4. Et vous allez voir les explications que la psychanalyse va donner sur ce cas-là, de craquement, de grattement, des autres bruits là. La psychanalyse va parler des choses de l'inconscient. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'inconscient? Absolument pas, voir que la psychanalyse tape à côté. Le parapsychologue va ranger tous ces esprits frappeurs qui font du bruit, n'est-ce pas? Et il va les ranger parmi les apparitions parapsychiques. Mais cela ne suffit pas pour expliquer la situation. L'homme de Dieu va appeler le chat. Il s'agit des esprits démoniaques qui avait élu domicile dans cet endroit. Et quand l'homme de Dieu ignorait être entré là, il ne savait pas lui être entré avec la puissance de Dieu. Et l'autre qui mourait dans la puissance satanique, démoniaque. Et en voyant la lumière de l'homme de Dieu, il y a eu une réaction. N'est-ce pas? Parce que ces esprits ne veulent pas sortir de ces cadavres. Ne veulent pas sortir de ces cadavres. Et c'est très important pour nous de le savoir. Les explications parapsychologiques, les explications psychanalytiques ne suffisent pas pour comprendre cette situation. C8 nous donne un exemple extrêmement instructif, complété par le rapport de trois des proches collaborateurs et connaissances du Dr Cook. Et vous voyez que c'est très important pour nous, et quand vous voyez, si vous analysez ce cas C8, c'est très important pour nous de
voir comment, n'est-ce pas, l'ennemi attaque les gens lorsqu'ils font la pratique de choses occultes. Alors, donc, il est très important pour vous de regarder cet exemple très important de Sewit, un exemple extrêmement instructif, complété par les rapports de trois de ses collaborateurs. Au deuxième étage d'une maison, s'étenaient régulièrement des séances spirites. Ça, c'est l'exemple de Sewit. Avec le concours des médiums parlant en transe tout le temps. Une locataire chrétienne du premier étage s'en rendit bientôt compte. Ce soir-là, elle ressentait toujours un profond malaise. Lors d'une nouvelle réunion, cette femme s'agenouilla dans sa chambre et supplia Dieu de faire cesser ses agissements. Je reprends encore. Au deuxième étage d'une maison, et vous avez cet exemple décrit à la page 44 de votre livre du docteur Koch, au deuxième étage d'une maison, s'étenaient régulièrement des séances de spiritisme. Et pendant ces séances spirites, pendant donc ces séances spirites, ici je change mes lunettes, il y avait un médium qui parlait en transe. Un locataire chrétien du premier étage s'en rendit bientôt compte. Et ce soir-là, la locataire chrétienne qui entendait souvent le bruit du médium ressentait toujours un profond malaise. Alors, d'une nouvelle réunion, elle se dit, je vais m'agenouiller dans ma chambre et supplier Dieu de faire cesser ses agissements. Pendant qu'elle prolongeait sa prière, voyez-vous pourquoi il faut prier sans cesse et persévérer dans la prière. Pendant qu'elle prolongeait sa prière, elle entendit au-dessus d'elle un grand tumulte, le fracas de chaises renversées et enfin le bruit d'un homme dévalant l'escalier. Puis elle entendit celui-ci démarrer en hâte sur sa motocyclette. Environ 30 minutes plus tard, il revint avec un passager sur son siège arrière. Par la suite, certains assistants mirent cette dame au courant de ce qui s'était passé. Pendant sa prière, le médium cessa de parler et perdit connaissance. L'esprit responsable de la séance ne réussit pas à le ramener à lui. C'est pour cela qu'il s'était rendu d'urgence dans un village voisin pour chercher un autre maître de l'art. En conjuguant leurs forces, ils finirent par réveiller le médium. Autrement dit, la prière puissante de cette femme avait neutralisé le médium. Voyez-vous ici, cet exemple, c'est 8, vous démontre la puissance de la prière chrétienne au nom de Jésus-Christ. Et on sait maintenant que ces forces médiumniques ne sont pas de Dieu. À titre complémentaire, voici le rapport concernant l'animateur de ces séances. En pleine force de l'âge, à 40 ans, il tomba gravement malade et mourut d'une mort atroce. Quelques jours avant son décès, il hurlait de douleur si fort que le voisin l'entendait. Le président du cercle me donna lui-même un aperçu plus complet de leurs activités. La perte de sa femme le branla si fortement qu'il devint réceptif à la parole de Dieu et voulut commencer une nouvelle vie. Il avouait qu'il avait autrefois utilisé son épouse comme médium et qu'elle était devenue aveugle à la suite de ses expérimentations. Il était conscient du caractère démoniaque de sa conduite. Des journées entières, il lutta avec le concours de son pasteur pour s'évader du labyrinthe spirit. Mais il était lié comme par des chaînes de reins et retomba dans sa situation antérieure. Un examen de ce cas sur le plan psychanalytique et parapsychologique n'apporte que peu d'éclaircissement.
Ce cas n'a rien à faire avec la parapsychologie, absolument rien avec la psychologie, la psychanalyse, et rien à faire avec la psychothérapie ou la psychiatrie. Ce cas touche la cure d'âme ou la thérapie pastorale. Les chrétiens peuvent affronter victorieusement l'activité occulte par la prière et par la foi. La prière de la foi sauve l'occulte. C'est une chose dont on fait l'expérience dans le ministère spirituel. Et l'atroce fin de l'animateur spirit n'est pas une description poussée au noir dans un esprit naïf et mystique. Cette fin atroce correspond aux faits constamment avérés. Les cas présents rendent dans le cadre des exemples ces trois que vous allez voir dans les livres et ces sept. Vous allez le voir dans les livres. C3 et C7. La cécité du médium est une conséquence relativement fréquente de manipulations occultes. Il y a des gens qui deviennent aveugles physiquement à force de pratiquer, n'est-ce pas, les manipulations occultes comme médium. La vaine lutte pour échapper à la domination du spiritisme met en évidence la dépendance psychique de ses adeptes. Leur psychologie devient tellement possédée, contrôlée par les esprits, qu'ils ne peuvent pas s'en passer. C'est comme si c'était de la drogue. Les personnes soumises à une telle influence ont de la peine à se décider pour Jésus. Ils haïssent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître, le Seigneur des Seigneurs. Et quand Jésus atterrit dans cette situation, eh bien, les esprits ont peur de perdre le contrôle de ces êtres humains. Et ils réagissent en conséquence. Alors, c'est très important de savoir que les médiums, ceux qui pratiquent la télékinésie, ceux qui pratiquent qui font tourner les tables, ceux qui parlent en état de transe, et parlent même en langue en transe, et pendant qu'ils parlent, ne se reconnaissent plus, sont possédés. Tous ces mondes-là sont en contact avec des esprits occultes. Quand je parle en langue, je suis conscient que je parle en langue. Je peux même aller chercher auprès de Dieu l'interprétation de cela. Ça n'a rien à faire avec les transe. Et lorsque je suis en extase, j'ai la grâce d'être en extase, d'être transporté par Dieu devant lui ou devant Jésus-Christ, ou d'être visité par l'ange de l'Éternel comme Gabriel ou Michael, eh bien, j'aurai la conscience spirituelle. Et je vais revenir dans le monde terrestre où je vis avec cette conscience spirituelle. Je ne suis pas un possédé, je suis plutôt un revêtu de l'Esprit de Dieu. Alors, il y a une grande différence. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez donner les définitions suivantes. 1. Qu'est-ce que la transe? 2. Qu'est-ce que la télékinésie? 3. Qu'est-ce que les tables tournantes? Que signifie cela? Table tournante. Une autre question, qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce que faire danser de verre? Tout cela, pourquoi toutes ces expériences font-elles partie du spiritisme? Qu'est-ce que le spiritisme? Voilà, c'est en répondant à ces questions et nous envoyer vos réponses que vous allez terminer cette quatrième leçon. Et je vous couvre encore, je nous couvre tous du sang de Jésus. Et par la puissance du nom de Jésus, rien ne pourra vous toucher. Bien au contraire, vous aurez l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal, selon la parole de Jésus-Christ, notre Maître. Amen.